Bienvenue à un salon local. Nous retrouvons avec grand plaisir, comme d'habitude, pour une recette très très simple à réaliser. Zodine vous présente un dessert. Alors, ce dessert-là, c'est un dessert de papaye et sagou. Donc, bien sûr, nous avons besoin de papaye bien mûre et là, une sagou. Sagou qui nous appelle aussi perle de Japon. Et dans le sagou, nous vous mettons du lait de coco, du lait. Un curé à café d'essence de vanille et aussi 2 à 3 cuillerées à bouche de sucre. Et à la fin, nous pouvons servir aussi amande concassée pour nous donner un peu plus de saveur et de croquant à nos desserts. Et pour nos papayes, nous pouvons mettre une cuillerée à café d'un jus d'agrumes. Par exemple, nous pouvons mettre jus de limon, jus de mandarine ou même orange. Nous pouvons mettre aussi noix de muscade dans nos préparations de papaye. Un petit morceau de bâton de cannelle et nous pouvons mettre sucre roux. Voilà donc pour un ingrédient pour cette recette de papaye et sagou. Et là, d'abord, nous préparons nos sagou puisque nous voulons laisser refroidir. Donc, nous mettons notre du lait. Également, notre du lait coco. Et là, nous pour les laisser, quand ils commencent à bouillir à ce moment-là, nous mettons nos sagou dedans. Et nous mettons aussi du sucre. Donc, 2 cuillères à bouche. Et là, c'est bon. Nous sommes capables de mettre le sagou après quelques minutes. Et nous pour remuer. Et là, quand le sagou est transparent, à ce moment-là, veut dire qu'il est prêt. Et là, nous avons besoin de remuer de temps en temps et nous surveiller le sagou. Alors, sagou, il prend un peu de temps pour le cuire. Alors, nous mettons loin un feu très doux. Et si nous avons besoin, nous rajoutons de l'eau pour le garder le temps cuit et qui devienne transparent. À ce moment-là, nous connaissons bien cuit. Et là aussi, pour réduire aussi, pour commencer à coller, là, à ce moment-là, nous connaissons prêt. Donc, en attendant qu'il. Nous sagou est cuit, en même temps nous surveillons. Voilà, maintenant nous pouvons préparer nos papayes. Bien sûr, papayes qui nous l'avait déjà. Maintenant, nous pouvons couper une partie. Et ne pas oublier de temps en temps de remuer le sagou. Ne pas laisser coller. Maintenant qu'il nous finit épluche nos papayes, nous pouvons couper en petits cubes. Bien sûr, nous pouvons faire les cuire avec du sucre roux. Mais avant, nous mettons. Valeur 1 cuillerée à café de jus d'agrumes dedans.
donc de mandarine, et ensuite nous pourrons cuire avec le sucre roux et ce bonnes épices aussi, pas beaucoup de temps, disons 5 à 10 minutes. Et là, nous remuons encore de temps en temps le sagout. Maintenant que nous sagoupé continue réduire, là nous capable ajouter un cuillère à café d'essence vanille. Et là pour à peu près 100 g de sagou, nous mettons 2 cuillères à bouche de sucre. Alors, ou si vous comptez en plus sucré, vous pouvez mettre plus de 3 ou 4. Et vu que nous papayes, nous pouvons cuire aussi avec du sucre, c'est pour ça que nous pouvons mettre autant du sucre dans sagou. Là, nous finissons coupe nos papayes en petits cubes, en petits dés. Nous réservons les deux côtés. Et là, nous pourrons arroser avec un petit peu de jus de mandarine. En attendant, nous sagouine prêt. Maintenant, nous pouvons laisser refroidir. Et pendant qu'il est refroidi, à ce moment-là, nous pouvons préparer nos papayes. Et là, nous sagouine prêt. Quand il est pour refroidir, il est pour sec encore un petit peu. Nous laisser frais. Voilà nos papayes qui nous coupent en petits dés. Nous mettons aussi un petit peu de jus de mandarine dedans. Maintenant, nous pouvons préparer. Donc, nous mettons nos sucres roux. Donc 4 cuillères à café, environ 2 cuillères à bouche. Nous mettons nos papayes. Un petit morceau de bâton de cannelle. Et aussi, nous vous mettons un petit pincé noir de muscade. Donc pour la papaye, 5 minutes, c'est bon. Et pareil encore, nous pouvons laisser refroidir. Et nous pouvons le mettre dans une verrine. Et là, nous sommes capables de mettre au réfrigérateur pendant 1 heure à 2 heures avant qu'il nous serve. Voilà, maintenant que nos papayes aussi sont prêts. Nos marmelades de papaye sont prêtes. Maintenant, nous teignons et nous laissons refroidir aussi pendant quelques minutes.
et avant qu'il ne le dispose dans nos verrines. Voilà, après quelques minutes, nos sagou in refroidis ainsi que nos marmelades de papaye. Alors là, nous pouvons les mettre dans verrines et à ce moment-là, on peut capable passer au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures. Donc d'abord, nous mettons nos sagou. Voilà, nous mettons nos sagou. Maintenant, nous allons mettre nos papayes. Et pour un petit croquant, nous ajoutons un peu d'amandes concassées. Et une dernière petite touche avec une petite feuille de menthe. Saveur locale prend fin ici. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous présentons un dessert à base de papaye mûre et sagou. Nous espérons que vous réussissez à suivre une étape très très simple pour cette recette-là et qui aussi pour être capable de réaliser. Et là, nous présentons dans une verrine avec une amande concassée et aussi un petit feuille de menthe. Alors, nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bon appétit!